IMC, que se cache derrière ces trois lettres? Est-ce que c'est un indice véritablement fiable? Est-ce qu'on l'utilise? Est-ce qu'il faut le compléter par autre chose? Et pourquoi ça a été créé? Ne ratez pas la fin de la vidéo, je vous dirai une information très peu connue, amusante et très intéressante sur l'IMC. D'ailleurs, si vous êtes là à regarder cette vidéo sur l'IMC, l'indice de masse corporelle, c'est que vous vous intéressez probablement au poids, à l'alimentation, à surveiller le poids ou perdre du poids. Nous avons créé un programme appelé Cercle Poids. Le programme dure 2 mois avec un travail de rééquilibrage global durant ces 2 mois pour perdre du poids de façon durable. Pas l'effet yo-yo, hein. Je crois qu'on connaît tous cet effet-là. Quand on fait des régimes, ben, ça fait l'effet yo-yo. Dans ce programme, il y a différentes choses. Il y a bien sûr des conseils alimentaires, mais pas les trucs basiques, du genre est-ce que ça fait grossir, ça fait maigrir. Non, ça c'est quelque chose qu'il faut dépasser, mais plutôt une alimentation équilibrée. Mais ça contient aussi d'autres exercices qui vous sont donnés et accompagnés tous les jours par un coach qui est dédié. Et en plus du nutritionniste, vous avez aussi un groupe auquel vous appartenez. On a démontré que le fait d'être dans un groupe permet d'aller plus loin dans les résultats. On se surpasse par certains moments, on se soutient, on échange des astuces. Et ce programme est basé tellement sur des connaissances scientifiquement prouvées comme efficaces, on est sûr du résultat au point que vous ne payez que les kilos que vous perdez. Revenons à notre sujet de l'IMC. C'est quoi l'IMC? C'est l'abréviation de indice de masse corporelle. C'est un indicateur médical qui a été mis en place pour savoir si on est en surpoids ou au contraire en maigreur ou si on est en poids normal. Attention, dans cette vidéo, quand je parle de surpoids, on parle de surpoids ou d'obésité au sens médical. On n'est pas en train de parler du côté esthétique, on est en train de parler du surpoids qui pourrait provoquer des problèmes de santé à la longue. Alors, pour calculer votre IMC, il vous faut 3 choses. Connaître votre taille en mètres, connaître votre poids en kilogrammes, et être très très fort en calcul mental pour calculer votre poids divisé par votre taille au carré. Ou alors vous faites comme moi, vous prenez une calculatrice sur votre téléphone. Je vais prendre un exemple pour calculer mon IMC. Je vais d'abord calculer ma taille au carré. Donc je fais 1,77 m, donc 1,7 multiplié par 2, 3,4. Je vais prendre mon poids, 73, 74 en ce moment. Allez. 74 divisé par 3,4, je suis à 21,7. À votre avis, 21,7 d'IMC, est-ce que c'est un IMC normal, bas, élevé? Vous connaissez les références de l'IMC, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les aviez en tête avant cette vidéo. Et si vous ne les connaissez pas, les voici. Je vais vous donner les chiffres de l'IMC qui sont selon l'Organisation Mondiale de Santé. Parfois, ça peut varier un tout petit peu. Et après vous avoir donné ces chiffres, je vais vous dire, est-ce qu'ils sont réellement fiables? Et qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on les a calculés? Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, un IMC qui est entre 18,5 et 25, c'est un IMC normal, c'est-à-dire que personnellement, j'ai un poids qui est considéré comme normal, sans risque surajouté de santé. En dessous de 18,5, on va parler de maigreur pouvant être en lien avec des problèmes de santé. Entre 25 et 30, on va parler de surpoids ou surcharge pondérale. Entre 30 et 35, on va parler d'obésité modérée ou classe 1. Entre 35 et 40, on va parler d'obésité importante ou obésité de classe 2. Et au-dessus de 40, on va parler d'obésité sévère ou obésité de classe 3. Alors cet IMC, avec cette classification des chiffres que je viens de vous donner, est considéré comme l'un des indices, les indicateurs les plus fiables, allez on va dire le moins mauvais, qui existe de nos jours pour savoir s'il y a un surpoids sur le plan médical et que les médecins vont utiliser quand on va évaluer l'état de santé général par exemple, on prend la tension, on va prendre les fréquences cardiaques et on va prendre l'IMC pour évaluer la santé générale. Est-ce que c'est vraiment fiable? Les organisations de santé, que ce soit les organisations de santé, d'autorité de santé, l'Organisation mondiale, les ministères de santé, etc., mais aussi les sociétés scientifiques, les sociétés savantes, considèrent que oui, on peut encore utiliser l'indice de masse corporelle, l'IMC, comme un indicateur pas trop mal quand même pour savoir si une personne a une obésité au sens médical, ou une maigreur d'ailleurs au sens médical. Et ces mêmes sociétés disent, attention, on peut l'utiliser, mais cet indice de masse corporelle n'est pas fiable, il faut le garder à l'esprit, et il a quelques failles. Quelles sont les failles de l'IMC? Voici les 5 failles que je pense présentes dans l'IMC. Première faille, l'IMC ne tient pas compte de la répartition de la graisse dans le corps. C'est-à-dire, on va dire que quelqu'un est en obésité. Sauf que, on ne saura pas dire en utilisant le seul IMC, si on n'utilise que celui-là, on ne saura pas dire est-ce que la graisse est répartie un peu partout dans le corps. Est-ce qu'elle est surtout présente au niveau du ventre, au niveau des hanches par exemple, au niveau du haut du corps? Pourquoi c'est important?
Parce que souvenez-vous, je vous ai dit dans d'autres vidéos que la graisse la plus dangereuse pour la santé, c'est celle qui s'accumule au niveau du ventre et en particulier autour des organes au niveau abdominal. Cette graisse-là, on sait qu'elle est liée directement à une augmentation du risque de problèmes cardiovasculaires, augmentation de risque de problèmes métaboliques, de diabète, de certains cancers et d'état de santé général, même de syndrome d'apnée de sommeil et autres problèmes de santé. Or, quand on calcule l'indice de masse corporelle, on est incapable de dire si cette graisse qu'on a détectée en disant « il y a un surpoids », elle est où cette graisse-là? Est-ce qu'elle est réellement dangereuse pour cette personne ou pas? Pour vous dire pourquoi je trouve que ce point est très important, il y a une étude américaine qui a été faite sur des personnes qui, selon le calcul de leur indice de masse corporelle, ont été détectées comme étant en surpoids. On leur a alors fait un scanner abdominal pour voir la graisse au niveau abdominal, et figurez-vous que un tiers de ces personnes finalement n'avaient pas d'accumulation de graisse au niveau abdominal. Donc d'après l'indice de masse corporelle, ils étaient en surpoids avec risque de santé selon la règle médicale, mais quand on regardait au niveau du scanner, en réalité ils n'avaient pas un risque plus élevé puisqu'ils n'avaient pas accumulé de graisse au niveau abdominal. Ça veut dire quand même qu'il y a les deux tiers qui l'avaient. En tout cas, l'indice de masse corporelle, retenez qu'il ne donne pas une indication sur l'accumulation de graisse abdominale. Et vous allez voir, ça a une importance quand on va parler de par quoi il faut compléter l'indice de masse corporelle quand on veut savoir si on est à risque de santé ou pas avec l'obésité. Deuxième faille, l'IMC ne fait pas de différence entre le poids des muscles, des os et de la graisse. Pourquoi je dis ça? Vous savez qu'on a toutes et tous des constitutions différentes. Par exemple, il y a des personnes qui ont des épaules larges. Moi, je n'ai pas des épaules hyper larges. Il y a des personnes qui spontanément ont des épaules larges. Les os au niveau du poignet, des gens par exemple qui sont plus larges, plus épais. Et forcément, ça va jouer dans la composition de leur corps et de leur poids. Et on a tous connu des personnes autour de nous qui ont toujours été costauds, comme on dit, sans forcément être obèses. Il y a aussi le fait que des personnes, en particulier qui font du sport ou qui ont une activité physique de travail très intense, ils peuvent avoir une bonne masse musculaire sans que ça soit une accumulation de graisse. Tout ça, l'IMC ne fait pas la différence. Par exemple, chez les sportifs de haut niveau, les culturistes par exemple, l'IMC n'a pas trop d'intérêt parce que finalement, ils ont un poids très élevé, mais c'est beaucoup de muscles. Et donc l'IMC dans ces cas-là n'est pas très utilisable. Troisième faille, ça ne donne pas d'indication sur la morphologie. Deux personnes peuvent avoir exactement le même IMC et avoir deux allures totalement différentes. On peut être grand, mince, on peut être petit et mince. On peut être, par exemple, je vous donne une idée, si on est de petite taille et qu'on est bien musclé, on peut avoir le même IMC que quelqu'un qui est grand, mince, mais qui a accumulé un peu de graisse abdominale. Mais en fait, le risque de la santé n'est pas du tout le même entre ces deux personnes, et pourtant l'IMC peut être à peu près le même. Quatrième faille, ça ne tient pas compte de certaines particularités ethniques du corps. Par exemple, au Japon et en Chine, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure de l'Organisation mondiale de la santé sont un peu plus bas. On a dit 18,5 à 25 par exemple en Europe, dans les pays occidentaux. En Chine et au Japon, c'est un peu plus bas ces chiffres pour tenir compte de la morphologie particulière spécifique dans ces pays. Donc, vous voyez, l'IMC contient aussi des petites failles qui ne sont pas adaptées à tout le monde. Cinquième faille, l'IMC n'est pas adapté dans certaines situations de vie. Par exemple, pendant la grossesse, il n'est pas adapté du tout. Vous imaginez bien que le poids du fœtus change la donne. Avec l'âge, parce qu'avec l'âge, on sait qu'on perd de notre masse musculaire de toute façon. Je vous rappelle qu'on perd à peu près 3% de masse musculaire après la cinquantaine chaque année. D'où l'intérêt d'ailleurs de garder une activité physique sportive. Je vous en ai déjà parlé. Et des personnes qui faisaient le programme Cercle, dont je vous ai parlé aussi au début, ont pris conscience que c'est pas juste manger pour perdre du poids, c'est aussi manger, équilibrer l'alimentation pour tout ce que je viens de dire. C'est pas simplement surveiller le poids et l'IMC. La plupart des personnes d'ailleurs qui font le programme Cercle, un peu à la fois, au cours des semaines du programme, ils continuent à prendre leur poids, à calculer leur IMC, c'est d'ailleurs recommandé de surveiller ça, mais ils commencent, un peu à la fois à ne plus trop y apporter une importance. Pourquoi? Parce que ce qui va être important, c'est la sensation qu'on a dans notre corps, c'est l'allure qu'on va avoir, c'est le tour de taille, et je vais vous en parler, et c'est la façon globale dont on sent que physiquement, notre poids et notre morphologie est en train de changer. Est-ce qu'il y a un indicateur qui serait le plus fiable et le plus intéressant? En fait, l'indicateur le plus fiable pour savoir si on a un surpoids avec un risque pour la santé serait de faire un examen comme un scanner pour vérifier cette graisse abdominale. Ça serait le plus fiable parce que ça permet de quantifier et de vérifier si le poids, le surpoids, est lié à l'accumulation de cette graisse-là. Sauf que vous pouvez vous en douter, ça coûte cher, c'est pas pratique à faire quand on fait un rééquilibrage alimentaire et qu'on veut voir si on perd cette graisse-là, on va pas faire plusieurs scanners, il y a des radiations qui sont envoyées et c'est pas disponible partout pour tout le monde. Donc, de nos jours, même si ça reste la méthode scientifique la plus objective actuellement, vous vous doutez bien que ce n'est pas ce qu'on va utiliser.
Donc vous retenez, l'IMC, oui, c'est pas fiable à 100%, je vous ai dit les 5 raisons pour lesquelles il n'est pas fiable à 100%, mais quand on l'utilise et quand on le combine à un autre indicateur, comme par exemple le tour de taille, bah, ça commence à donner un résultat assez intéressant dans la surveillance du poids comme indicateur de bonne ou mauvaise santé. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager si les vidéos vous plaisent. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres informations. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par travailler sur votre poids, travailler sur votre alimentation, le programme Cercle Poids et @joincercle pour avoir plein d'informations, pour avoir aussi des recettes. Prenez bien soin de vous. À très bientôt.